plus tard. Hein? Encore toi, sale bête! Tu vas voir! Attention! C'est bon, merci mon petit modèle. Bonjour Rosy. Bonjour Maddy. Tex, tu t'en sors avec ta collerette? Ah, m'en parle pas. C'est pour mon bien, je sais, mais qu'est-ce que ça me gratte? Qu'est-ce que ça me gratte? Plains-toi, va. Ma famille m'interdit de boire dans les toilettes. Moi, quand j'ai soif et que je vois ce grand bol d'eau fraîche, j'ai trop envie de boire dedans. Une vraie torture. Tous les jours, c'est la même histoire. Ça peut plus durer. On peut pas laisser faire ces brutes. Ouais, t'as raison. On va le faire tous les deux. Moi, je vais les occuper et toi, tu vas leur poser. J'ai pas le temps, là. Hé, hey, le peps, prépare-toi à recevoir mon meilleur lancer. Le journal, super. Merci, Ozzy. Paula, garde un peu de place pour ta tartine. Oh, j'en veux pas de ta tartine, tu la fais toujours brûler. Comment ça, je la fais toujours brûler? Non, ça suffit le bacon. Mange tes céréales. C'est lourd, on a l'impression d'avoir de la sciure de bois dans la bouche. Elles ont 10 vitamines et minéraux essentiels. Je suis sûre que c'est bien meilleur que la sciure. Enfin, je crois. Moi, je les trouve vraiment bonnes. Je vous resserre? Non, merci ma chérie. Je suis rassasiée. Oh, moi aussi, hein. Les tuiles et la tondeuse à gazon. Oh. Ouais. Hein?
quitté Blue Creek, une autre conception de la pension. Cette petite bête à quatre pattes. Ça fait deux jours qu'elle est privée de sortie, m'a dit. Deux jours, c'est énorme. Hier, on a loupé le camion des hot dogs. La veille, c'est le camion des glaces qu'on a loupé. Si aujourd'hui, on loupe le vendeur de burritos coréens, je suis pas certain que je m'en remettrai. Sois patient, Ozzy. Elle finira bien par ressortir. Patient? Deux jours, m'a dit. Non, mais tu sais combien ça représente un jour de chien? Pas, Ozzy, je suis encore privée de sortie aujourd'hui. Nous avons aussi notre résidence projetée. Venez visiter le Creek, d'autres conceptions de la fonction canine. Nous adorons ces petites bêtes de canine. Voilà, mettre mon casque, ok. Cueillir les fleurs préférées de maman pour me faire pardonner, ok. Vent arrière, ok. Dis-moi, Ozzy, toi tu es prêt? Vous pouvez me dire où vous étiez passé. Oh. Oh. Merci, Ozzy. Je vais chercher le courrier. Non, c'est dingue! Qui c'est qui va au Japon? C'est nous! Wow! Un hôtel 4 étoiles, tout frais payé! Wow! Alors c'est vrai? On part en vacances? On nous envoie au salon international de la bande dessinée à Osaka. Si Stardog est récompensé, il y aura encore bien plus de gens qui suivront ses aventures. Tu es vert de jalousie, cornichon! C'est toi qui es glacé jusqu'à la moelle, flamme! Ozzy, on va au Japon, c'est génial! Au Japon! Ozzy, ne va pas au Japon. Quoi? Je suis allé à l'ambassade pour récupérer les visas. Ils m'ont expliqué que pour voyager au Japon avec un chien, il devait être placé en quarantaine. Il faudrait l'enfermer dans une cage pendant 2 semaines. Mon chéri, on va bien trouver quelqu'un à qui le confier. Qui? Crois-moi, Marc, il est super avec les enfants. Il fait jamais de bêtises dans la maison. Il sait même utiliser PowerPoint. Enfin, pas vraiment, mais il apprend vite. Allô? Marc? Ils ne savent pas ce qu'ils ratent. Et tante Gertrude? On ne la voit jamais, mais enfin, elle fait partie de la famille. C'est vrai, de la partie qui fait peur. J'aimerais autant le récupérer vivant. C'est la fin du délai. La prime de risque a augmenté et le secteur bancaire a subi un gros revers. Un voyage d'affaires en vue? Vous ne savez pas à qui confier votre animal? Vous avez peur qu'on ne prenne pas bien soin de lui? Monte un peu le sang. Tu t'es trompé de bouton, Ozzy. Venez visiter Blue Creek, une autre conception de la pension canine. C'est plus fort que nous. Nous adorons ces petites bêtes à quatre pattes. Si c'est une femelle, nous avons aussi Bambino, notre résidence pour jeunes filles. Va-t'en!
reviens là, toi. Non. Aussi. Reviens. J'arrive, chérie. Je tiens. Arrête-le. Je l'ai. Cours, aussi, cours. T'as fait quoi? Il y a un problème? Je t'expliquerai plus tard. Encore toi, sale bête. Tu vas voir. Attention. Ne t'en fais pas, ma chérie. Un mois s'est très vite passé. Bienvenue à Blue Creek. Vous êtes les Martins, j'imagine. Nathaniel Robbins, ravi de faire votre connaissance. Et qui avons-nous là? Alors comme ça, le roi de la maison s'appelle Ozzy. Il est timide, à ce que je vois. On aura le temps de briser la glace. On est désolé. Il faut dire que c'est la première fois qu'on fait garder Ozzy. Oh, ne vous inquiétez pas, je comprends très bien. Mon petit doigt me dit que tout va très vite s'arranger. Suivez-moi, je vous fais visiter. Dominique! Monsieur Melville choisit lui-même tous ses produits. Bien sûr, tout est entièrement bio. Goûtez-moi ça. Bon appétit. Il y a du brocoli. Impossible, il déteste. Et maintenant, mesdames et messieurs, le sonar. Passons au salon de massage. Nous proposons du shiatsu pour bichon, des bains de boue magiques et bien entendu une pâticure complète. Et tout ça, c'est pour des... chiens. Ce sont plus que des chiens. Nous les considérons comme nos amis fidèles. Et nous aimons réserver à nos amis fidèles un accueil sur mesure. Je pourrais peut-être rester ici 3 semaines pendant que tu pars avec Ozzy et Paula. Je regrette. Les humains ne sont pas autorisés. Suzanne, tu as vu combien ça coûte? C'est... Évidemment, si vous mégotez sur le bien-être de votre animal de compagnie, je peux vous recommander des établissements plus abordables. Moins confortables. Évidemment. Où est-ce que je dois signer? Et voilà, tu peux dire adieu à ta petite famille. Tu ne les reverras pas avant très longtemps. Dominique, ôte ce kleps de ma vue. Préviens tout le monde, tu sais quoi faire. L'espace est terminé. En avant, marche. Et attendez, là. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Quelqu'un peut m'expliquer ce qui m'arrive, nom d'une muselière? Toi, le nouveau, la ferme et va coucou ce panier. Tout le monde dehors. Fini la promenade. Bougez-vous les pattes. Retournez dans vos cellules. Hein? Mais où est-ce qu'on est? Est-ce que c'est une prison? Mais c'est qu'on a affaire à un petit génie. Bienvenue à Blue Creek.
le véritable Blue Creek. Allez, fainéant, dépêche-toi de remplir le fourgon. Courir et courir. Après, rien du tout. Directeur, Grogne, conduis-toi comme un bon chien et on te traitera comme un bon chien. Si tu as le moindre doute, la moindre question, c'est le moment. Donc, je peux parler? Enfin, est-ce que je peux m'asseoir? En fait, j'ai été amené ici par erreur. Pour ne rien vous cacher, ma famille m'a laissé dans une résidence grand luxe. Non, c'est vrai, ça. Oh oui, piscine, sauna, le luxe, quoi. Je ne sais pas comment j'ai atterri dans ce trouara. Oh, ne vous vexez pas, je n'ai rien contre la simplicité, qu'on soit bien d'accord. Je ne suis pas vexé du tout. Voyons voir. Decker, il faut faire quelque chose de ce pauvre petit. Ah, merci beaucoup. C'est vraiment gentil de votre part. J'ai tout de suite su que je pouvais avoir confiance en vous. Eh bien, nous sommes là pour aider. Auriez-vous la gentillesse de contacter ma famille, les Martins? Leur numéro est gravé au dos de cette médaille. Et au fait, je m'appelle Ozzy. O-Z-Z. Parfait. À présent que je sais comment tu t'appelles, j'espère ne plus jamais entendre ton nom. Désormais, tu seras le numéro 463. Enregistre-le. Salut le nouveau. Est-ce que tu vas pleurer? Vas-y, dis-moi, tu vas pleurer? Je te parie 3 gamelles qu'il appellera son maître dès l'extinction des feux. Silence! Ne te prends rien. Je ne veux pas entendre un seul aboiement. Une chose, 463, ici, je suis le Big Boss. Je vois tout, j'entends tout, je renifle tout, je sais tout. Alors si tu veux éviter les problèmes, surtout ne me prends pas rebrousse-poil. Bonne installation. C'est ta nouvelle maison. Hey, c'est mon lit, ça, bonhomme. Là, je te vois mieux. Enfin, je te vois tout court. Avec mes problèmes de vue, j'évalue pas très bien les hauteurs. Ça t'ennuie pas de prendre le matelas du haut? Merci. Comment tu t'appelles? 463. Je veux dire non, Ozzy. Je m'appelle Ozzy. Ravi de te rencontrer. Moi, c'est Frankie. J'espère que t'aimes discuter. Enfin, un chien avec qui j'avais. Personne n'a partagé ma cellule depuis 6 mois. Alors, c'est quoi ton histoire? Je veux tout savoir. Chien de race ou croisé? Pleine main préférée? Meuble que tu préfères mâchouiller? Silence dans les cellules! Oh, silence dans les cellules. Bon, alors, d'où tu viens? D'accord, je vais te le dire. Mais surtout, t'emballe pas, hein, parce que je vais pas rester bien longtemps. Ma famille revient dans 1 mois, et là, elle viendra me chercher.
Mais oui, ils viendront me chercher, moi aussi. Quand est-ce que ta famille doit venir te chercher, mon petit Rémi? Dans un mois. Et ce mois dure depuis combien de temps? Un an. Et toi, Ross? Pareil. Je suis vraiment désolé pour vous, les gars, mais c'est sûr, ma famille va venir me chercher. Oh, tu es libre de te raconter tout ce que tu veux. Mais je vais te dire un secret. Je vais m'évader. Si ça te dit, tu peux venir avec moi. 22h, extinction des feux. Désolé mon pote, c'est pas ma faute. Je suis somnant frappeur. Au lieu de marcher, je donne des coups de pied en dormant. Mais hé, ça pourrait être bien pire. Je pourrais ronfler. C'est l'heure de l'appel. Allez, bande de tortues, debout. Et que ça saute. 1-8-9, recule tes fesses ou sinon je t'envoie au tronc. Arrête de bailler un 9-2. Dès que tu l'ouvres, ça sent la vieille chaussette pourrie. T'as quelque chose à dire? Vas-y, je meurs d'envie de t'entendre. Hey Chester, je te présente Ozzy, mon nouveau compagnon de cellule. Hein? Oh, s'il te plaît, sois un peu sympa avec lui. C'est son premier jour. C'est là qu'est l'os. Les nouveaux, c'est que des problèmes. T'as pas encore compris? Silence dans les rangs! Ouvre la grille! Bougez-vous les fesses, sac à puce qui pue! J'ai l'impression que tu as de l'énergie à revendre. Eh ben, tu vas pouvoir te dépenser sans compter. Ici, tout le monde met la main à la pâte. On a un quota à respecter. Si on ne l'atteint pas, on a des pépins. Et on veut pas avoir de pépins, n'est-ce pas, 4-6-3? Non. Non, chef. Voilà ton poste. La chaîne ne s'arrête jamais. Si tu fatigues, tant pis. Si jamais t'as soif, t'as qu'à tirer la langue. Si t'as un besoin urgent, t'as qu'à lever la patte. Mais la chaîne ne doit s'arrêter sous aucun prétexte. Des questions? Alors, au travail! Vivant. Je voulais comprendre comment ça marche. J'ai compris, c'est bon. Vous en faites pas. Tout est sous contrôle. Ce truc. On dirait de la... Bien ça, mon gars. De la pâtée pour Matou. Pour Matou? Mais c'est dégoûtant. T'as un problème avec la nourriture, 4-6-3? Oh non, non. Tout va bien. Ah, tu me
ta puce sur le système qu'une saleté de colonie de puce. Gamin, tu vas où comme ça? Je... Merci beaucoup. C'est sympa de votre part. Je m'appelle Ozzy. Et toi, c'est? Je te présente Doc. Avec lui, les mots ne sont pas nécessaires. Mange ta pâtée, mon pote, et savoure le silence. Tu vas voir, c'est pas bien sorcier ce travail. Tous les matins, on va dans le bureau du directeur. On remplit le chariot de livres et on fait la distribution. C'est tout? Sérieux? Merci de me filer un petit coup de patte. C'est exactement le travail qu'il me fallait. Ah, oh, enfin un peu de paix. Je vais pouvoir souffler. Hé, hey, c'est le numéro de Stardog? Gus, je ne te savais pas, amateur de BD. Bah, t'es fou. Tout ce que je veux, c'est que la couverture soit pas trop dure à mâchouiller. Pourquoi tu fais la tête? Laisse-moi deviner. Ah, tu penses encore à ta famille? Mais tu connais pas ma famille. Ils ne m'abandonneront jamais. Ils viendront me chercher, j'en suis sûr. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Lui, on l'appelle Radar. Fais gaffe. Il capte toutes les conversations avec ses antennes surpuissantes. Hé, hey, Radar, quoi de neuf? Quoi de neuf? Quoi de neuf? T'étais où? T'étais parti dans le cosmos? On est le jour 6, mon pote. Voilà, s'il y a de neuf. Le jour 6! C'est aujourd'hui que Vito doit sortir. Vito, il fait la loi. Il décide de tout. C'est le chien de tous les chiens. Vito n'attire que des problèmes. Un petit conseil, ne te mets pas sur son chemin. Hé, chef, c'est le grand jour aujourd'hui, c'est le jour 6. Mais ferme ton clapet, Radar, tu me donnes mal au crâne. Fichez le camp, vous autres. Vous pouvez aller plus ailleurs. Allez, viens, Vito, sors de là. Dehors. À se revoir très bientôt. Voilà. Gentil toutou. J'aimerais qu'on me dise d'où sort ce clown. C'est la dernière recrue, un petit morveux. Il est arrivé l'autre jour. Et tout de suite, il a semé la... Alors là, c'est fou. Ça fait à peine 8 jours que t'es là et t'as déjà plein d'amis. Je veux pas me plaindre, mais on pourrait pas trouver une solution pour cette histoire d'échelle. On peut peut-être essayer de l'accrocher aux... Francky ? Doc, Doc, t'es au courant ? Francky, il a réussi à s'évader quand je me suis levé. Fais un rapport, Roger. Ça fait 15 tentatives. Par où il est passé cette fois? Il s'était caché dans les poubelles, cet abruti. Nom d'un chat de gouttière, j'ai failli réussir cette fois. Oh, j'étais à deux moustaches. J'ai juste eu un petit problème technique. Encore un des petits problèmes techniques dont tu es si coutumier?
Bonsoir. Baker, tu es prié de venir dans le bureau du directeur. Baker, tu es prié de venir dans le bureau du directeur. Géronimo ! Baker, tu es prié de venir dans le bureau du directeur. Écoute, Frankie, tu crois pas qu'il serait temps de baisser les pattes ? Cette situation est suffisamment humiliante comme ça. Baisser les pattes ? Jamais ! Autant arrêter de respirer ! Je sais bien que ça vous dépasse, hein, mais il y a une personne qui attend mon retour dehors. Quelque part, un homme aveugle a besoin de moi. Vous entendez ? Je suis ses yeux ! Ses yeux ! Pardon. Ses yeux ? Franky était chien aveugle ? Sérieusement ? Ça gâche les nazes. J'ai un message pour toi, de la part de Vito. Il veut te dire quelque chose, hein. À moi? Ben oui, à toi. Dis, t'aboies pas ma langue ou quoi? Ou alors t'es muet, comme le gros là? Et tu vas où comme ça? L'invitation est pour une personne. C'est bon, patron. Il est pas armé. Hey. Dis, petit, tu connais ici? Tu aimes, n'est-ce pas? Eh bien, non, pas trop. Je vois. Mais tu m'as l'air en pleine forme. Oh. C'est quoi ton truc, la boxe? Non, surtout pas la boxe, pas la boxe. Je vois. On dit que tu aimes la course et que tu es assez bon. Oh, c'est pas tout à fait ce que je dirais. Tu accuses mon homme des pattes de mentir? Non. Alors c'est toi qui me mens à moi. Moi? À vous? Enfin, plutôt mourir, non? J'en suis sûr. Alors ne me fais pas perdre mon temps. Tu cours vite ou tu cours pas vite? Vite? J'en sais rien. J'en sais rien du tout. Sois pas si stressé, petit. Inspire. Expire, en pleine conscience. Osez, j'ai un petit service à te demander. Tu veux bien me rendre un petit service? Moi? Bien sûr, un, deux, autant que vous voudrez, enfin, ça dépend. Du moment que ça ne m'attire pas trop de problèmes. Des problèmes? Vous entendez ça? Les petits sont déjà en cabane, et les voilà qui flippent de s'attirer des problèmes. Ah, tu me tues, petit, tu sais. Non, je ne tue pas, ni vous, ni qui que ce soit. Parce que c'est ça. Vous voulez me demander de tuer quelqu'un? Non. Je te demande de te tuer, toi. Te tuer à la tâche en courant. Je te fais marcher. Je l'adore, ce petit. C'est tellement facile. Waouh! Mais qu'est-ce que c'est? Un champ de course, petit. Prisonnier contre gardien. Les meilleurs d'entre eux contre les meilleurs d'entre nous. Lui, c'est notre champion en titre, Flash. Un vrai pur sang, mais il n'est pas à son maximum ces derniers temps. Il a perdu la motivation. Alors toi, tu vas l'aider. Tu vas faire la course avec lui. Oh, cette fois, c'était sérieux, d'accord. Juste une, deux, trois tours de piste. Fais-le transpirer. Une petite course entre amis. Tu me rendrais service. Bon, d'accord. Merveilleux. Je l'ai dit ou je ne l'ai pas dit? Je l'adore, ce petit. Ozzy, je peux t'appeler Ozzy? Ben, vous le faites depuis un moment. Je peux vous appeler Vito? Non. Allez, tout le monde en position. Et attention! À vos marques, prêts? Du virage. Flash est en tête, mais Ozzy tient bon. Le nouveau veut prendre une truffe d'avance.
Mais c'est sans compter sur Flash, le champion invaincu. Allez, champion, tu assures comme une bête. S'il continue sur cette lancée, je vous le dis, à la prochaine course, les gardiens repartiront la queue basse. Ce caveau a de la dynamite au bout des pattes. C'est la dernière ligne droite. Attendez, que se passe-t-il? Voilà qui m'empousse le buisson. Le champion est vaincu, humilié, malmené sur son propre terrain. C'est bon. Au revoir, Flash. À demain, alors? Entraînement à la même heure? Je n'ai pas dit à bientôt, Flash. Je n'ai pas dit à demain, Flash. J'ai dit au revoir, Flash. Ozzy, une place vient de se libérer parmi mes coureurs. Qu'est-ce que tu en dis? Le poste t'intéresse? Tu cours pour moi? Comment ça? Vous me demandez un nouveau service? Non. Voilà comment ça marche. Oui. Je t'ai demandé un service. Tu me l'as rendu. J'ai une tête. Alors, je te fais une offre. Deviens mon associé, mon protégé, et nous aurons une chance de battre ces fils de chat. Et en échange, je fais en sorte que ta vie ici soit plus facile. J'ai le temps d'y réfléchir. Bien sûr. Prends le temps que tu veux, c'est pas ce qui manque ici. Je veux ta réponse dans 24 heures. 24 heures? Oui, dans 24 heures. Je te fais une fleur parce que j'avais une dette. Maintenant, on est quitte. Mais c'est tout vu, la réponse est non. Ces courses ne feront que t'attirer des problèmes et encore des problèmes. Mais si j'accepte, adieu la pâtée pour Matou. Ça sera steak pour tout le monde. C'est ça. Et un sorbet pour faire glisser tout ça. Arrête de te voiler la truffe et fais marcher ta cervelle. Tu peux pas compter sur Vito. T'as vu ce qu'est devenu son ex-protégé? Il a raison, c'est comme moi choisis l'indépendance. À ce propos, mon plan d'évasion est presque prêt. Et quand tu voudras... Tic-tac, l'heure tourne, petit. J'ai pris ma décision, Vito. Monsieur Vito, enfin, chef. J'ai peur de devoir refuser votre proposition, mais merci, c'est vraiment très gentil. Minute, le petit me parle. Vous voyez, la course, c'est pas du tout pour moi, quoi. La célébrité, les projecteurs, les sponsors, tout ça, quoi, bof. Tu as bien réfléchi. Hier, je t'ai prévenu. J'ai dit que je pouvais te faciliter la vie. Je peux aussi te faire vivre l'enfer. Oh, pardon. Il m'a échappé. Je peux savoir ce que tu fabriques, 463? Je voulais vous parler de... J'ai un petit problème à résoudre. À quel sujet? La douchette. Oui, voilà, j'arrive pas à la régler sur massage. Tu te fiches de moi, 463? Est-ce que tu as quelque chose à me demander? Ou est-ce qu'une fois de plus, tu me fais perdre mon temps? Alors comme ça, tu as battu Flash et du coup Vito voudrait que tu deviennes son champion. Eh bien... Nous n'acceptons pas ce genre de comportement. Je savais que vous alliez m'aider. J'ai une idée. Voilà ce que tu vas faire. Je vous écoute. Tu vas courir. Parfait. J'étais... Attendez, quoi? Tu vas courir. Accepte d'être son champion. Mais en réalité, c'est pour moi que tu vas courir. Quoi? Non, attendez. Je comprends pas. Écoute, le petit nouveau, même si t'as pas la moindre chance face à Jock, j'ai pas envie de prendre le risque. On n'a jamais perdu une seule course contre les détenus. Et c'est pas aujourd'hui que ça va changer. Attendez. Tu vas courir pour Vito, et tu seras nul. Quoi? Vous me demandez quoi, là? Vous voulez que je fasse exprès de perdre, mais Vito va me transformer en biscuit pour Toutou? Écoutez, je vous remercie de votre offre, mais je ne peux pas accepter. Tu veux pas y réfléchir? Moi, je te conseille d'y réfléchir. Tu verras demain matin. Non, je ne courrai pas. Tu ne veux pas reconsidérer mon offre? Parfait. C'est pile poil comme il faut. Maintenant, rebouche-le. Non. Suivant. Toute
réflexion faite, j'ai un petit creux. Je rongerai bien un ananas. Je peux savoir ce que vous faites là? Besoin de creuser un trou, de le reboucher et de le recreuser sans raison? C'est notre spécialité! Vous voulez creuser? Alors vous allez creuser jusqu'à me rapporter des os de brontosaure. Merci, Frankie. Bonne nuit. De rien, Ozzy. Bonne... Hein? Vous pensiez que la journée était terminée? Bienvenue dans l'équipe de nuit. Quand vous en aurez fini avec ça, j'aimerais assez un autre petit trou dans la cour. Les gars, je suis vraiment désolé de vous avoir entraîné dans cette galère. Je sais ce que vous pensez, mais promis, quand ma famille viendra me chercher... Mmh. Eh oui, ta famille, 463, celle qui devait venir te chercher au bout de combien de temps déjà? Un mois? C'est ça? Eh ben, tu sais quoi? J'ai comme l'impression que le mois en question vient de s'écouler. Et on dirait bien que personne n'est venu te chercher. Ça, c'est impossible. Ce chiffre est faux, il y a forcément une erreur. Jamais ma famille ne m'abandonnerait comme ça. Un chien si jeune, dans la fleur de l'âge, vraiment. Nous ne pourrons jamais, jamais oublier Oscar. Ozzy! C'est ce que j'ai dit, Ozzy. Il s'est battu contre la grippe canine de toutes ses forces. Il était toujours très gentil avec les vétérinaires. Les meilleurs qui soient. Les frais médicaux apparaissent sur la facture. Ah, vraiment, plus qu'un simple chien. Il était un exemple pour chacun d'entre nous. Mais comment est-ce qu'il l'a attrapé? Tout ce que les médecins ont pu dire, c'est qu'il l'avait en arrivant ici. C'est une chance que les autres chiens aient été épargnés, sinon nous aurions dû faire face à une bien plus grande tragédie. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Ça ne tient pas debout. Notre chien était en parfaite santé en arrivant, et vous, vous me rendez ça sans de plus amples explications? C'est absurde! Mais parfaitement légal. Nous sommes dégagés de toute responsabilité avec la décharge que vous avez signée. C'est bon, je vais courir. Je savais que tu reviendrais à la raison. Oui, je suis désolé, c'est dans mes gènes, je suis légèrement têtu. C'est pas grave, Petit, je ne t'en veux pas. Le passé, c'est le passé. Viens toper avec Vito, viens toper. T'as pas intérêt à me décevoir, on est associés. Et n'oublie pas, on est associés maintenant. Tu sais ce que tu dois faire, le nouveau? Perds la course. Gagne. Tu vas courir? Tu as perdu, Mais t'as perdu la raison ou quoi? Et lequel t'as l'intention de trahir? Si c'est Grogne, la prochaine fois c'est pas un os que des carottes, je te le dis, moi. Je ne compte pas trahir Grogne. Si tu trahis Vito, il se fera un tapis de bain avec ta peau, je te le dis, moi. Je ne compte pas trahir Vito. Alors qu'est-ce que tu vas faire, nom d'un humain? Je vais les trahir tous les deux. Tous les deux, tu dis? Je veux pas être là pour assister à ça. C'est officiel, moi j'avance mon évasion. C'est ta dernière chance, Ozzy. Viens avec moi. D'accord. Oh, tu vois pas que... Attends, t'as bien dit d'accord? Tu as raison. Je ne vois vraiment pas comment je pourrais m'en sortir. Peu importe lequel je trahis, je suis un chien mort. Alors les gars, nous allons nous évader. Youpi! Ça c'est bien aboyé. Allez, au boulot. Attends que je te révèle mon nouveau plan. J'ai un plan, moi aussi. Qui préfère le mien à celui de Frankie? Mais vous ne savez encore rien de ce plan-là. Il y a une catapulte et une machine à neige carbonique. Deux contre un. Chester? Oubliez Chester. Il n'y a pas de Chester. Chester ne veut rien savoir. Vous êtes dingue? Ou alors sourdingue? Je vous ai dit que je voulais éviter les problèmes. Oh? Doc a raison, Chester ne viendra pas. Ça fait des années que j'essaye de le convaincre. Il s'est bien trop habitué à la prison. Il a aucune envie de partir d'ici. Mais... Très bien. Écoutez, voilà comment on va faire le coup.
Allez, champion, fonce! Une, deux... Salut, Ozzy, tu me signes un autographe? Midi et demi. Ah oui, non, t'as raison. Midi pile. Oh, midi 10. Donc, ils arrivent à midi et mettent 10 minutes pour chercher. Qu'est-ce qui se passe ici? 102, 103, allez champion, vas-y encore un petit effort, voilà, bravo, maintenant mille pompes. Tu as voulu tes entraîneurs perso, tu les as eus. Tu as voulu ton vestiaire perso, tu l'as. Table de massage, douche, serviette propre. Je t'avais demandé autre chose aussi. C'est un vrai labyrinthe ici. On n'y arrivera jamais, sauf si on arrive à se procurer les plans. Je sais où ils sont, et ce sera un jeu de chiots. Quoi? Dans le bureau de Grogne? Mais comment on y entre? Et comment on fait pour les trouver? Je sais qui peut nous ouvrir la porte, il faut juste le convaincre. Mais t'en fais pas, laisse-moi faire, je m'en charge. Non, non. Non, c'est mille fois non. Tu ne comprends pas. Je ne veux rien avoir à faire de près ou de loin avec ça. Quoi? Tu veux que je te supplie, c'est ça? S'il te plaît. Oh oui, s'il te plaît, dis-moi oui. Voilà pour toi, Gus. Un peu d'aventure. L'Odyssée, une bande de cinglés qui cherchent à rentrer chez eux et la moitié du groupe meurt en route. Une heure. On n'a pas besoin d'avoir la clé plus d'une heure. On entre dans le bureau, on attrape les plans, on repart et on te redonne la clé. Et hop, ni vu ni connu, le tour est joué. Que tu crois? Personne n'a autant de flair que Grogne dans cette prison. Un poil qui se balade, une empreinte de patte, un changement d'atmosphère. Si jamais il le remarque, tu as devant toi un chien mort. Tu n'es qu'un misérable lâche. J'en ai vraiment ras les crocs de toi. Ras les crocs. Arrête, tu vas me tirer des problèmes. Si tu crois obtenir quoi que ce soit comme ça, tu te fourres le coussinet dans l'œil. Ah ouais? Et comme ça? Vas-y, je t'en prie. Tout ce qui est mouillé finit par sécher. Alors peut-être que l'option numéro 2... Hein? Attirera toute ton attention. Bon, c'est d'accord. Je te donnerai un coup de main. Si je vois la moindre tache sur la fenêtre à mon retour, ma prochaine maquette sera faite avec ton squelette. Hehehehe
chien. Grogn est plus que psychorigide avec l'ordre. Il sait précisément où est chaque maquette, chaque feuille de papier, sans exception. Pour aller au trou. C'est comme ça que t'as atterri ici. Tu reverras ton océan. T'inquiète pas, mon pote. Et voilà, je les ai trouvés. J'ai trouvé les plans. On se fait la malle. Ouais. On se fait la malle, j'ai bien entendu. Regardez-moi ce bazar. Faut tout remettre en place. Alors, chef, hein, c'est impeccable, hein. Je ne suis pas un tir au flanc. Bouge là. Quoi encore? Oh. Oh. Nom d'un petit bonhomme. Il arrive. Il arrive. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Il arrive. Oh non, mais tu permets un peu d'intimité. Tu ne vois pas qu'on est en plein entraînement? Doc, Doc, il est parti. Évidemment que je suis sûr, sûr et certain. Non mais tu me prends pour qui? D'accord, oui, fallait pas prendre à droite. Mais c'est pas ma faute, hein. Je suis complètement bleu. Et puis l'éclairage, excuse-moi, mais ça laisse à désirer là. Hey.
Toi, c'était quoi ça? J'ai rien fait. Le club s'est glissé. Tu vas ravaler ton mensonge. Il y a un problème. Ton bâtard a voulu blesser mon champion. Est-ce que c'est vrai, 4-6-3? Il a voulu te blesser. Non, j'ai glissé. Remarque, Vito, je comprends, t'as peut-être pas bien vu ce qui s'est passé ici, rapport au fait que t'es un rase-meute. Vito. Tu sais que tu vas encore perdre comme la dernière fois. Et tu feras du barouf comme la dernière fois. Et tu te retrouveras au trou comme la dernière fois. Mon champion va pulvériser le tien. Et comme je suis sûr de mon coup, j'ai bien envie de corser un peu cette affaire. Corser l'affaire? Comment ça? Si on gagne, on veut de la vraie nourriture, comme les gardiens. Tu remets l'émission Danse avec les toutous dans la salle de télévision. Et je ne veux personne au trou pendant un mois. Non, attendez. J'accepte, mais si vous perdez, vous ferez le double d'heure et vous travaillerez aussi la nuit. On revient à la pâtée pour Matou et la télé, vous pourrez faire une croix dessus. Attendez une minute, hein, calmez-vous. Mais je ne veux plus vous entendre. Vous serez tous muselés jusqu'au printemps. Marché conclu. Bonsoir, chiens et chiens. Bienvenue à cette soirée historique. C'est le jour J, l'heure H, un rendez-vous avec le destin, la course du siècle. Chester, comment ça va? T'es venu nous dire au revoir? Viens faire un câlin, copain. À la revoyure. Pas les pattes, ouf. Donc, vous êtes déterminé à poursuivre cette folie? Oui, Chester. Et si tu ne veux pas de problème, ça serait mieux que personne ne te voie ici. Des problèmes? Mais qu'est-ce que tu penses qu'il se passera après votre évasion? Parle pas si fort, voyou. Quand vous serez dehors, à marquer votre territoire sur chaque arbre, à chaque croisement, ils nous feront quoi, à votre avis, hein? Cette prison deviendra un véritable cauchemar. Mais c'est déjà un cauchemar, ça changera quoi? Vous les entendez? Imaginez le sort qui sera réservé à tous ces chiens. Ces chiens? Mais depuis quand tu t'occupes des autres, toi? Monsieur, je ne me mouille pas et j'évite les problèmes. Si tu viens pas avec nous, débarrasse le plancher. Mais vous ne pouvez pas vous évader. Mais la enveilleuse, d'accord? Vous ne comprenez donc pas? Vous n'arriverez jamais à... Bien joué, Doc. Désolé, Chester, mais c'est nous qui prenons tous les risques. Aujourd'hui, rien ne nous empêchera de nous évader. Justement, Frankie, à propos de l'évasion, je suis pas sûr d'y arriver. Quoi? La cote est à combien? Rémi, c'est 10 contre 1 pour Ozzy. Qui met 6 travers de porte sur le nouveau? Non, Sam, on prend aucun pari sur Danse avec les toutous aujourd'hui. Oh, mais va pour Ozzy. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu freines des quatre pattes? C'est à cause du plan? C'est impossible, le plan est parfait, c'est ton plan. Oublie le plan. Et si Chester avait raison? Si j'essayais de remporter la course pour eux? Sérieusement? Puis-je me permettre de te rappeler que dans le groupe se trouvent Vito et aussi Lobo, tous ces toutous adorables qui t'ont tabassé pour que tu acceptes de courir? Je sais. Mais n'oublions pas les autres. Ils ont confiance en moi. Mes pattes pourraient leur rendre la vie bien meilleure. Moi, je mérite une vie bien meilleure. Doc mérite une vie bien meilleure. Réveille-toi! Bon. Et si on votait? On s'en remettra à la majorité. La foule commence à s'impatienter. La course aurait dû commencer depuis 10 bonnes minutes. Le stade entier résonne. On entend la même clameur. Où est passé Yandy? Eh ben quoi, bon à rien. Concentrez-vous sur votre travail. Où est ce sac à puce? Qui a lancé ça? Ramenez-moi cette vermine tout de suite, de gré ou de force. Le voilà qui arrive, le Challenger, la nouvelle fusée, le Beagle fulgurant, l'éclair de Blue Creek, 11 kilos de vitesse à l'état pur! Parviendra-t-il à battre le record de Jock? Le champion invaincu ne semble pas inquiet.
Avec ta frange, c'est que tu verras pas ton pote se faire étendre, Chewbacca. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Faites quelque chose, espèce d'imbécile, réparez ça! Non. Et ses amis, passez cette fourrière au peigne fin. Ils ont verrouillé les issues, on est bloqué. Hein? Ouvrez-moi ces portes, tout de suite. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer, nom de Bulldog, où est Ozzy? Où est Ozzy? Que tout le monde reste à sa place. Ils sont pas là, chef. Non. On continue à chercher. Dépêchez-vous, vite. On y est presque. Tu veux bien te calmer? Tu croyais quoi? Qu'on allait t'abandonner, mon pote? On comprend pas ce que tu dis. On aura le temps de discuter plus tard. L'athlète va vous exécuter un salto arrière groupé renversé. La classe. Yop. Ouvre la grille principale. Oh, je donnerais n'importe quoi pour voir la tête de Decker.
chef. Punissez-nous, d'accord, mais Chester n'y est pour rien. Il voulait pas venir. Très juste. Dis-moi, vieux fossile, tu préfères quoi? Le trou ou être dehors avec les autres? Je sais pas si les balances sont très bien vues ici. Chester? Quoi? Mais de quoi il parle? Voilà pourquoi je suis venu vous voir au vestiaire. Je voulais vous prévenir, mais vous n'en avez fait qu'à votre tête. Quand Grogne a vu la tache d'huile dans son bureau, il a compris qu'on y était allé. Chester, tu nous as trahis. Pourquoi, à ton avis? Ils ont menacé de me briser les pattes avant. Tout ce que je voulais, c'était rester ici en paix, en évitant les problèmes. Je suis désolé. Ah ouais? T'inquiète, je vais m'en charger, moi, de tes pattes avant. Il en aura fini avec lui, je prendrai la relève. C'est pas pas, non. Moi d'abord. Silence. C'est bête pour les petits. Je dois avouer qu'il avait du cran. Autre chose, patron? Non, merci, Decker. Tu peux y aller. J'ai besoin de faire un peu d'exercice. Quand le vieux m'a prévenu, d'abord, je l'ai pas cru. Je me suis dit, il est pas de taille. Jamais il osera, mais il a osé. Nous sommes tous pleins de surprises. D'ailleurs, vous allez me faire la surprise de fermer les yeux sur le passé et de me relâcher. Attention, malheureux! Désolé. Tu vas lâcher ça. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. N'approchez pas. Ça doit représenter beaucoup, beaucoup de travail. J'ai dit n'approchez pas. Non! Mais il y en a un autre là-bas. J'aimerais mieux que Decker reste à l'extérieur. Ne bouge pas, Decker. Surtout, ne trouve rien. Écoute, mon garçon, tout peut s'arranger. On passe l'éponge sur l'évasion. Tu veux quoi de plus? Que je demande à Vito de te lâcher? Que je libère tes amis? Il y a une seule chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Va chercher. Ouf. Reste pas planté là. Appelle du renfort. Qu'est-ce qui se passe? Où est ça? Mais qu'est-ce que tu fabriques, abruti? Je les ai tous ouverts, il n'y a pas un seul chien! Dépêche-toi de les fermer et tirons-nous d'ici! Un, deux, vous m'entendez? Je fais un essai, je suis... Vous savez qui je suis. Vous m'avez vu courir tout à l'heure. J'ai un aveu à vous faire. Je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et je serai prêt à le refaire. 1000 fois s'il le fallait. Vous devez me détester parce qu'on a perdu la course. Mais on ne l'aurait jamais gagnée de toute façon. Elle est détruquée. Truquée? Quoi, truquée? Hey, comment ça se fait que moi, j'en ai pas entendu parler? Mais même si Grogne n'avait pas truqué les courses, on n'aurait jamais pu gagner. Parce que c'est eux qui ont gagné. Ils vous ont fait oublier qu'avant, vous étiez libre. Moi, je n'ai rien oublié. Je ne suis pas le champion de la prison. Je ne suis pas 4-6-3. Je m'appelle Ozzy. Et vous? Est-ce que vous avez déjà oublié qui vous êtes? Oublié l'endroit d'où vous venez? Alors permettez-moi de vous rafraîchir la mémoire. C'est le mien. Ça fait tellement longtemps. C'est incroyable. Tu as, c'est le mien.
Sucre, c'est vrai? Patron, vous vous appelez Sucre? Ça vous pose un problème, hein? Le petit a raison. Il est temps de se débarrasser de nos laisses. Vraiment, tu vas pouvoir m'échapper. Fichons le camp d'ici. Démarre, allez. Bah, où est la clé? Reste pas là sans rien faire. Bouge tes fesses. Imbécile. Encore une fois, je dois m'occuper de tout. Armée, en joue. Feu. Regardez toutes ces voiles. De toutes les couleurs. Ma, qu'ils sont bêtes. Ne les attrapez pas. Laissez tomber les babales. Viens. Remue-toi. Il faut que tu nous aides, mon vieux. Allez, viens. On n'a pas de temps à perdre. Alors, 4, 6, 3. Où est-ce qu'on en était? Laisse-le tranquille. Maintenant, tu vas avoir affaire à moi. Oh!
Merci. J'avais dit que tu aurais de la neige carbonique. Je reviendrai. Dernier aboiement. T'as raté ta cible. À ta place, j'en serais pas si sûr. On est prêts. Je les ai trouvés. Bien beau tout ça, mais il est grand temps qu'on mette les voiles. Qui êtes-vous et qu'avez-vous fait de Chester? Oh. Faut se grouiller, les gars. Il y a notre taxi qui s'en va. Hé, hey, Vito! Bah, vous venez pas avec nous? Si, petit. Je règle une petite affaire et j'arrive. Petit, toi, tu peux m'appeler Sucre. Salto! Le voilà ton océan, Doc. Regardez-moi ça. Beau gosse. Sa tête me rappelle quelqu'un. C'est peut-être mes lunettes qui sont sales, mais je le trouve pas particulièrement beau gosse. Hé, hey Doc, tu vois ce que je vois, mon pote? J'étais cherché partout. Non, mais t'as vu cette vague? Elle m'a entièrement avalé. J'ai été rejeté deux places plus loin. Tu parles d'une aventure. Batte un peu l'entaille. 10 points de suture. J'ai souffert le martyr. Mais toi, raconte. T'imagines pas comment tu m'as manqué. Tu comprends mieux pourquoi il dit pas un mot. Tu l'as dit, Bouffy. Ça y est, le voilà. Ton chez-toi. Qu'est-ce que t'attends, Frankie? Tu attends quoi au juste? Ne me dis pas que maintenant tu as la frousse. Un chien courageux comme toi. Mais je fais quoi si Bob m'a remplacé? Mais il l'a fait, crétin, il est aveugle. Il en a trouvé un autre et je parie qu'il se souvient même pas de moi. N'importe quoi. C'est impossible de t'oublier. Tu t'as plus sur le système qu'une saleté de colonie de puces. Viens, on va se dégourdir les jambes. Gabi? Oh. Mais oui, tu es magnifique. Oh. Que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Qui est-ce? Attends, ces petits pas, ce halètement, ce n'est pas... Frankie. Frankie.
À vue de truffe, on dirait que son envie de s'évader ne va pas revenir avant longtemps. Je me présente, je m'appelle Frankie. Et vous? Voilà, ma maison est juste là. Et toi alors, tu sais ce que tu vas faire? Non, non, mais je te remercie de m'avoir tiré de là. J'avais oublié à quel point ça fait du bien de respirer l'air pur. Tu es sûr? Tu es sûr que ça va aller, Chester? Évidemment, camarade. Je suis un vieux briscard. Je retombe toujours sur mes pattes. Enfin, presque toujours. Merci, Ozzy. Au revoir, mon ami. Ted, voilà tes céréales, ta tartine, ma chérie. Et ne me regarde pas comme ça, je ne craquerai pas. Il doit s'en aller. Il s'en va et basta. Nathaniel Robbins a été condamné à 20 ans de prison. Il a été reconnu coupable d'une centaine d'inculpations pour fraude et cruauté animale. Heureusement, tous les chiens ont retrouvé leur gentil maître. Sayonara. Pas mal ce petit déjeuner. Cette tartine était brûlée à la perfection. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Deux individus qui ne sont pas les bienvenus. Tiens, tiens, ça fait un bail le chien. Je parie qu'il veut son petit journal. Pas vrai, Thor? Et pour toi, je vais même ajouter le supplément week-end. Se bailar, le cantamos muy fuerte.